Bon, mesdames et messieurs, préparez-vous, parce que ce qui est sur le point de se produire, c'est un petit peu brutal. Je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée en mauvaise posture. Et on va repartir en mauvaise posture. Voilà. Et donc, préparez-vous, parce que direct, ça va chier dans la colle. Pas le temps de souffler. Nous allons rentrer directement en combat. Il y a un combat qu'on aurait aimé éviter, mais... Que voulez-vous? La vie est une succession de choix et apparemment je fais les pires. Voilà. C'est quel combat? Un combat, disons qu'il est possible qu'une meuf se soit fait kidnapper. Et du coup, l'entièreté de l'auberge qu'elle protégeait avec son bouclier a tourné âme maudite, quoi. Possible que ce soit ce genre de... Bon. Ce qui me fait, c'est que la liste est tellement longue que... Ils ont mis un plus 3. Genre, il faut scroller pour tous les voir. Alors, il n'y a pas que des tiefelins. Il y en a, bien sûr. Il y a surtout des ménestrels et des points enflammés, mais par contre, on a Damon. Oh, ça pue la merde. Je déteste ce combat. Bon, on a quand même Jaera de notre côté. Et ma foi... Bon, après, ils sont tous dehors. Ce qui m'a laissé suspecter... Le fait que peut-être les gens dans l'auberge étaient encore safe. Si. Ouf. Bah... Je pensais que les gens dans l'auberge étaient au moins safe. Molle a été kidnappée. Mais... Non, c'est juste une peau de bête, ça me rassure. Bah, le mort s'est réveillé là, visiblement. Mais par contre, je sais pas de quoi ils sont morts. Ils sont genre pétrifiés. Le chat aussi? De Zag. Bah je sais pas, j'ai pas trouvé le chat. J'espère qu'il a survécu.
Mais alors, je sais pas, tous les gens de la maison sont morts et les gens de dehors sont maudits. Excusez-moi, il y a PPC qui m'appelle.
Heureux. J'adore ce jeu pour ça. C'est un jeu prévu pour la daronie. C'est du tour par tour, mais comme tu n'as pas de chrono, en vrai, je peux m'arrêter en plein milieu d'une action ou quoi, si l'enfant appelle. Je trouve ça génial. Voilà. Même en plein combat intense. Mais oui, non, mais c'est... Il faut le dire quand c'est bien. Mais par exemple, Dofus, c'est du tour par tour. Mais comme t'as un temps quand même de chrono, si tu rates tes tours, tu foires ton combat. Alors que là, ben non, tu vois, le jeu va à ton rythme. Et je trouve ça trop génial. Et du coup, la réflexion que je me posais avant d'aller déboucher le nez de l'enfant, c'était, est-ce que si, admettons... Bon, les autres, je sais pas, j'ai envie de m'en foutre. Mais est-ce que si... Même les buffs sont morts. Et d'ailleurs, je me demandais, mais où est passé le buff bizarre là qui avait 100 milliards de points de vie là, à qui on avait essayé de parler, mais au final, bah, on n'a pas pu. Est-ce que tu vois, on peut essayer de... Je vais essayer d'assommer Damon. Mort-vivant perverti. Attendez, examinez. Mort-vivant. On peut encore... c'est un zombie, mais c'est-à-dire... Non, il est mort, en fait. Ceux qui sont morts dans la maison sont morts à la lumière, mais ceux qui sont morts dans l'ombre... Il était près d'une forge, il était donc dans la lumière. Donc, en fait, il est officiellement déjà dead, quoi. Ok, donc il n'y a rien à sauver, on nique tout. Très bien. Des os, pas des os. Je kiffe tellement ce jeu que la première semaine où je l'ai acheté, j'ai joué 60-70 heures. Oh, plus que moi, ça c'est sûr. Où est notre bar? Donc on a Astarion qui commence. En vrai, j'ai... Lui, il peut pas soulever grand-chose, donc... Mais Carla, qu'elle va être trop triste, non? Que son forgeron... assez de ressources. Le silence. Into le silence. Ok, on va voir ce que fait Jaira. Ah non, c'est pas... Elle joue pas. C'est Shadowheart qui joue. Esprit gardien, hein. Ah du coup, ah ouais, c'est bouclier de la foi ou esprit gardien. Ah dommage, ça c'est mal joué. Survival is all that matters. Tout est question d'apprentissage. Another step forward. Zag, une petite rage en vrai. Tout, on finit celle-là. Tout celle-là. Échec critique, dommage.
Bon, on est parti pour tuer tout le monde, je suis désolée. Voilà. C'est le concept. Hein. Alors, Jaira, qu'est-ce que... Grâce à sa bénédiction de Céluné. What? Ah ouais, non mais elle rigole zéro par contre. Je la prends dans mon équipe en fait. Tu peux balancer les barricades? Oh lourd. Pourquoi des avantages? On va aller sur l'archère parce que c'est chiant. Les archers. Et là, bah ma foi, un coup de cac, hein. Je me suis dit, mais où on est? Il y a une meuf qui est sur le toit. Ok. Dac. Ça va pas être trop chiant du tout d'aller la chercher, en tout cas. On peut finir celle-là ou pas? Une de moins! Vas-y meuf hein. N'hésite pas à tous les défoncer. Waouh. Ça sert à rien mais waouh. Refais esprit gardien parce que quand même. Et un petit coup de chagrin ou je sais pas quoi là. Lui là hein. Non parce qu'après ils vont jouer, ça va être chiant. C'est tout une lacération. On my way. C'est si violent. C'est si violent mon dieu. Ah mais parce que... D'accord, il y en a d'autres là. J'y suis, je viens de faire la mise à jour de mon bio de mon PC, je stresse à chaque fois. Moi c'est les mises à jour de Baldur's Gate 3 qui me stressent. Je suis en mode vont-ils casser la... Zag le beau gosse quoi. Ok meuf, go hein. Y'a pas un tonneau, y'a un tonneau du côté de Shadowheart. Très bien si elle pouvait balancer sur un tonneau d'explosif. Ils arrivent! Comment on va traverser tout ça, nous? Ils sont tellement bien groupés! Faudrait qu'elle lance un truc. Nous, en fait, on est pas morts parce qu'on avait la bénédiction aussi, non? C'est ça, hein? Bénédiction de Céluné. C'est exactement ça. Ok, Astarion, tu pourrais tuer cette chose? Ok. Et bon, il peut pas soulever de tonneau lui, donc c'est un peu gênant. Ok.
Je viens de faire celui-là, là. Aïe! Voilà, il est silencieux, nickel. J'aurais peut-être dû envoyer Karlark de ce côté prendre ce tonneau et leur balancer là-bas. What? Shadow Earth est tellement forte. Est-ce que tu peux porter ça? Trop lourd! Ben non, parce qu'elle est... Et si j'allume le feu de camp? Ah! Et si je... 11. Into... Saute. Là. Coucou! Parce que la lumière, c'est beaucoup trop fort, hein, qu'on se le dise. Zag, il a un peu... une petite potion de vie, Zag, peut-être. C'est pas du luxe. Anthony, mais je suis dépité pour tous ces gens qui vont mourir. Hein. Quand même. Si, si, j'ai un petit regret, j'ai un petit regret. Il méritait pas, quoi. En fait, j'avais pas analysé que, du coup, la barrière allait... Ouais, c'est ça, le problème. Meuf, tu peux aller prendre le tonneau là-bas ou pas? Ce serait si rigolo. Attends, avant ça... Pas suffisant malheureusement, elle va faire une attaque d'opportunité mais tranquille. Elle t'a raté, elle est nulle. Prochain tour, tu prends le tonneau et tu viens et v'là dans le tas ou là-bas même. Ça sera drôle, je pense. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'ils arrivent tous dans la lumière de Shadow Earth, du coup. La liste des PNJ décédés. Malheureusement, il y en a un peu trop, je crois. Non, Zag! Mais même la nature s'en prend à nous. Starion, il est vraiment tranquille, hein. Aïe! Shadow Earth. Un soin sur Zag. Into. Personne. Non mais Indofavois, je rêve. Je vais peut-être reculer, non. Je peux pas. Restez là alors. Pauvre Zag. Attends. Je peux pas juste prendre et avancer.
c'est juste, je prends et... J'imagine que si je le lance là, ça pète ici. Alors attends, sinon... Est-ce que je peux me donner des PM? Mais non, je pourrais pas porter. On peut pas déplacer le tonneau hors... Ah, attends. J'ai rien dit. Attendez, j'ai rien dit du tout. Vous êtes là, vous? Très bien, j'arrive. Est-ce que... Officiellement, elle... Elle fonce pour prendre... Ok. C'est trop loin, c'est dommage. Non mais là, il y a Zag au milieu, le pauvre. Non, vaut mieux le garder pour après. Pour cela, là. Sauf qu'entre temps, ils vont peut-être avancer. Elle est presque morte aussi, elle. Alors, lui, il va finir ça. Un de moins. Astarion, tu peux pas. Il y a un endroit où monter? Pour la descendre. Ou fais-toi celle-là déjà dans un premier temps, je pense. Keep guessing. En vrai. Ok, elle est invisible, très bien. Le soin de Zag. Pour toi. Ok. J'ai plus mon soin de lumière, mais ça va arriver. Là, je vais encore mourir. Ok, meuf. Je suis obligée de le rapprocher, quoi. Jimmy on the go. Toujours pas? On va réussir à lancer ce taux. Mais c'est de l'eau? J'ai vu un tonneau rouge dans le... Mais ça va péter ça. Quoi? Je vais les mouiller de l'eau?
C'est de l'eau. Depuis tout à l'heure, je me casse le cul pour de l'eau alors qu'il y a un symbole de feu dessus. Non, tonneau d'huile. Pourquoi on m'a marqué eau? Ah, mais c'est parce qu'il y a de l'eau par terre. Ah, rien à voir alors. Je veux jeter ce tonneau! Oh, je peux en avoir 2 sur 3. Bon, vas-y, on accepte. Boum! Ah. D'accord, mais j'ai aucun moyen de la... Attends, si! Astarion. Envoyé à Carla. Oh meuf. T'es un peu dedans quoi, j'ai peur. Allez, pour le son et l'image. C'est tout. Un peu déçu. Hein. C'est la barricade surtout qui a pris cher. C'est surtout la barricade qui a pris cher, si vous voulez mon avis. Oh putain. Ça va. Le silence. Encore. Ok. Ouais, mais c'est quoi ces racines là? C'est abusé. Oh, j'ai plus mon sort de lumière. Mais c'est abusé ça aussi. Faut-il attaquer les racines? Bah j'imagine. Peut-être dû les focus du coup. Ou soigner Zag? Non mais je fais quand même la lumière. Zach qui est toujours debout pour le moment. Let's go. Nothing will stand in my way. Rien ne se tient en travers de ton chemin. Bah, quelques PNJ quand même. Il va aller là. Ok. Un peu de soin. Vraiment, je consomme... je consomme tout. Ok, bah meuf... Tu leur fonces dessus. Nickel. Non mais par contre il y a trop de racines. Et ça pousse sans fin. C'est abusé. J'ai un moyen d'allumer d'autres lumières. Aïe aïe aïe. En fait, on se fait défoncer plus par les racines que par les PNJ. Ok mec. Non mais c'est pas grave, on t'aime bien Starion, j'ai cliqué à côté.
PNJ en PLS. Génial. Zag, tu peux jeter une fiole de soins. Bon, ça c'est du poison, ne confonds pas, ça ressemble. Ici. Pas mal. Toi aussi tu prends. Et cette grosse racine, je pense qu'il faut la niquer. On a plus de sort, hein. Du côté de Shadow Earth, on est les piles à plat. Le coup au sol, ouais, c'est l'échauffement. Ouais, mais t'as vu un Dofawa, quoi. Elle mise pas mal. Il y a celle du toit qui est fichée. Elle mise pas. Et l'arbre... assez technique, hein. Comment ça se fait qu'il soit aussi gros, cet arbre aussi, là? Ah. Jaira, t'as pas un sort de lumière contre les racines spécialement? Zag, ben tu vas relancer du soin, hein. Vraiment, il va falloir que j'arrive à en crafter. Si je jette là, vous prenez toutes les deux, c'est beau ça. Ah, mais chemin interrompu. Est-ce qu'il y a une branche? Oh, fais chier. Bah, je privilégie Shadow Earth. J'ai jeté quoi? Comment ça, ce n'est pas reconnu? J'ai soigné la branche ou quoi? Si Shadow Earth meurt, on a un problème. Par là, let's go! Est-ce que tu peux assistance Shadow Earth? Je pense pas. Je peux faire foncer. Si je fais foncer, je peux plus assistance. Alors du coup, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas commencer à aller vers l'autre racine là-bas. N'oublions pas qu'il y a la meuf sur le toit aussi. Oh, elle est devenue gros. Oh putain. Il reste un point de vie, je rêve. Ah mais parce que je l'ai assommé. Mince, j'ai toujours mon passif de l'assommoir. Ça, ça faisait pas partie du projet par contre d'assommer la branche. Non ouais, j'ai des piles de cadavres, c'est un peu technique.
Le 1 point de vie, pas ça qui va nous carrer. Hein. Bon, je vais essayer de sauter sur ce toit pour aller niquer la meuf là-haut. Shadower, tu te soignes. Ah oui, bah oui, je sais que tu as besoin de soins, hein, je vois. On fonce. Et on défonce ce truc. Ah, oh, c'est efficace. Avec Jaira qui va venir nous aider, c'est pas mal. Oh, elle saute! Elle arrive! Aïe! Ça me fume, elle voit des petites étoiles. Donc de tous les trucs que j'ai réussi à préserver là, c'est la racine. Hein. On a préservé la racine. Ça fait plaisir. Voilà, je trouvais pas mon beau truc. Alors, est-ce que je peux essayer de la viser quand même? Oui, bah c'est pas mal ça. Bravo. J'irai peut-être sur la branche. Shadow Heart. Bon, bah le soin... Ouais... On peut faire au moins de la lumière sur la meuf. Ouais, c'est pas mal, ouais. Zag, pas la peine de sauter. Au final, tu vas comme Astarion et tu tires à l'arc. Je sais que c'est pas ton fort, mais vas-y. Essaye. Il lui reste 5 points de vie. Nickel. Into la branche. Nickel. 13. C'est mérité. Raté. Encore? Je la somme pas là? Non. Donc la branche va encore jouer. Oh putain. Astarion alors. Pouf. Oh le bain de sang. It's all over. Désolé. They're all gone. My brave ones, my friends, my Harpers. I led them here, to this. Tu peux venir avec nous si t'es toute seule. Toutes mes condoléances. J'ai pas autre chose à dire. Ouais. Désolée pour votre perte. But you live. A single green leaf holding fast on oui, oui, Zag, la dernière feuille verte, oui. J'ai une feuille, mais... Bref. Deux feuilles. Vous êtes en vie, vous aussi. Je lui parle en arbre. J'espère qu'elle y sera sensible. C'est du langage de druide, je fais un effort. If I can warn the Dukes, an army of absolutists is on the march. Perhaps the city still stands a fighting chance. Mm. Viens te battre avec moi! That proud determination of yours should shame me. But it heartens me instead.
Pull aside the curtain of years and I can see myself echoing your resolve. Very well. I'll join you. And when Ketherick falls, I'll be there. Le projet c'est tuer Ketherick apparemment. And for the ones we love back home. Oh non. Un petit feu de camp. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Aïe. Je sais pas, mais oui, tout le monde est fatigué. Parce qu'à quand même. On a besoin d'alcool ce soir. Tu vois, elle est encore en train de jouer avec ce truc alors qu'officiellement, c'est nous qui l'avons dans les mains. Et qui est-ce qu'il y a là? On a Gail, on a Will, et là. Eh hey, mais de mieux en mieux, Alcine. Maintenant t'as une petite tente, hein. Ce cadavre qui se met de plus en plus tranquille. Sympa chez lui. Oh mais Jaira est là aussi. Génial. Let's move. C'est flétri s'il le reste pendant que t'es pas au camp. Ah mais c'est ça. I suppose this place is no worse for wear than my last lodgings. Though I cannot say the same for myself. Bon, on a gagné un nouveau compagnon au camp. The escape after. I might need to lick my wounds a while. Before I can be of use to you. Ah bah clairement nous aussi hein. Vous venez avec nous sur la route? Allez Jaira. I need a little time. But I will gladly join you at journey's end. So long as it ouais, j'ai récupéré un druide finalement. J'en ai perdu un, mais j'en récupère un autre. Et maintenant? You know your task. Ketherick Thorm clawed his way free of death. Ouais, ma couverture tient toujours. Génial. So we can send him back. Je vais pas tout de suite lui raviver les plaies de ce qui s'est passé quand même. Je suis pas. Carla, oh là là, je suis. Carla, tu dois être. Damon, oh, je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis désolée pour ton cœur. Soldier. Elle s'en fout. Ok, bah ça va alors. Gratouille? Oh putain, j'ai cru qu'il avait disparu. Il a vu foncer dans l'eau et puis plus rien. Lazel. Greetings. Ils n'ont rien à nous dire sur Astarion par rapport à la rencontre avec Raphaël, peut-être. C'est la bénédiction de ses lumières, les... Yes, darling. T'as une sale gueule. Shadow Heart. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé là-bas à l'auberge? So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Did you want something? On sent de comment. Un massacre. Un massacre.
Et toi, tu me dis, c'est donc ça, les papillons dans le ventre. Ok. Petit Thorm, tiens. Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Okay. Bon, je vous propose qu'on mange et qu'on se lave, surtout, on a des têtes qui font très très peur, hein. Et après, on va essayer de survivre aux ombres, ça sera un autre... Hein ? Ah ! Oh putain. Playtime's over, pet. À qui est-ce qu'il parle ? Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Bah, ça va, c'est là qu'on va en vrai. Et si cette diablesse est aussi puissante que vous dites, comment a-t-elle fait pour son compte pour se faire capturer? Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Okay. On accepte à une condition. Oh, and what condition is that? Libérer Will. Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Fais-moi confiance. Will relaxes, and your connection fades. Mizora, nous acceptons de délivrer cet atout si vous libérez Will de son pacte. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Oh, apparemment. Me souvenir de ce que je sais sur les contrats des diables. J'ai un morceau de l'histoire. Ouais, mais oh, c'est de l'intelligence. Zag, tu es intelligent. C'est beaucoup d'intelligence, mais vas-y, le succès critique. C'est pas grave, t'as pas lu les histoires, mais on t'aime quand même. You can think of no way to void a devil's pact. Eh ben, l'intimidation, ça c'est un truc de barbare. Non, c'est du charisme. Allez, 2D. Zag ne sait pas lire en réalité. Il y a des chances que non. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, parce que j'ai raté un truc. Sauf qu'Isobel partit, la barrière a sauté et tout le monde est devenu mort-vivant.
Ah oui. Mais vous avez pas fait ça dans votre Evil Run, putain, bah, vous avez raté quelque chose. Allez, Zag, l'intimidation. Mais un barbare, très intimidant. Mmh. Yes. On savait que... Incredible. You actually think you hold the winning hand? Really? Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. C'est toujours de la chance au dénombre, bah, pas trop. Hein. Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Astarion qui veut nous parler. You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. C'est parce que j'ai fait chanter la diablesse. Comment ça, brute de décoffrage? Just that you have a big heart. You like doing what's right. So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? J'imagine qu'il veut prendre le contrôle du culte. Moi, je veux détruire, me débarrasser de cette larve. Et reprendre ma vie d'avant. That's the obvious option, yes. But consider the alternatives. Just think. How many people have the Mind Flayers infected? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the Worm's Thrall. Et donc... Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. J'aime pas ça. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Parce qu'on se transforme en poulpe. That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them not to change us. All the power, with none of the tentacles. I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and liberate the world from this evil. Je lui fais absolument pas confiance sur ça. Il aime trop le pouvoir, hein. Par contre, je comprends l'idée de si c'est toi qui tiens la télécommande. Au final, tu peux ne pas appuyer dessus. Donc, c'est s'assurer que si c'est toi et que tu veux faire les choses bien, que personne ne devienne plus jamais un flagelleur mental. On peut vraiment s'empêcher de devenir un poulpe si on contrôle le culte? C'est question technique. Je vais y réfléchir. It's not often the universe hands you something like this. We'd be fools to squander it. Le détruire serait quand même plus simple. On pourrait être sûr que ça reviendrait pas. Tant que ça existe, ça peut revenir. But I'm feeling optimistic. Il aime trop le pouvoir, par contre. Il fait peur. Oh, je sais pas quoi penser. Il y a eu tellement de cinématiques au camp, j'ai même pas fait la bouffe. Salut, Tigre.
C'est parce que j'ai avancé trop vite sur la trame principale, je pense. Comment ça, quelqu'un encore veut me parler? Oh, c'est Carla. Ça y est, elle a capté pour son cœur. Oh, meuf. Je suis désolée. Ah non, attends. C'est pas ce que je voulais faire. Still alive, so that's progress. I need a moment for the two of us. I'm so sorry. Elle est trop triste du coup. God damn it. Ah non, elle veut parler de Mizora. Je pensais qu'elle allait revenir à son cœur, mais pas du tout, elle s'en fout. We're supposed to risk our necks to get one of her assets. What if it's a runaway like me? Oui, mais on peut libérer Will. C'est pour rendre l'appareil à Will. Je veux pas que ça arrive, je veux pas que Will soit transformé en lémur quand même. Look, Will's happiness is my happiness. I'd sooner see myself a lémur than him. Oh. But it's a bad idea to play games with the devil. You never win. Not ever. Pourquoi il y a plein de mouches dans ta tente par contre, ça craint. Bon, on peut manger, on peut dormir, on peut se laver parce qu'on pue tous là. Genre vraiment c'est terrible. Qui veut me parler encore? Qui veut? Oui. On peut pas aller se coucher. Ils ont tous envie de taper la dispute. Need a word. Ah merde! Je me suis trompée. I'm all chatted out, I'm afraid. Though I may have a word with the chief. Ah, au chef carrément. Excusez-moi, c'est moi le chef. Poussez-vous. Est-ce qu'on peut se faire ce pécho, les gens entrent dans le camp? The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Justement, c'est bien l'occasion de t'en libérer définitivement. A compliqué cette mission et elle va vous libérer du pacte. Je suis peut-être naïf. For sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Moi aussi j'aimerais pas me faire de faux espoirs. I already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. Vous avez une idée de qui peut être cette diablesse? Je pense pas. Hein. All that matters is that we free it. Okay. Fail. And I made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the blood war. Ça n'arrivera pas. And it means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Oh. Ah oui, et pour votre daron, on a des nouvelles. All roads converge. Mais oui, tout nous amène à Haute-Lune, c'est bien vrai. On peut faire confiance à Floric. I was 11 when the council spotted and slayed an assassin who stole confiance, tranquille. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her Mais là, elle doit être morte dans le truc. Saved 100 lives that day. The councilor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. Et pourquoi ils auraient enlevé votre père? They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it?
Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Eh ben, route pour autre lune dans ce we cas. We can't and we won't. The shadows be damned. Ah là là. Bon, on peut aller se coucher ou quelqu'un a encore envie de me parler parce que bon. Ratouille, tu veux discuter? Putain, l'histoire l'a fait des bons, mais c'est parce que j'ai tué beaucoup trop de gens, c'est ça? Terrible. Bienheureux les PNJ retenus prisonniers aux lunes qui vont éviter le courroux de Zag. Non mais c'est réel en plus. On va faire un tour de l'auberge, mais c'est un désastre. Hein. Mais je vois que ça vous fait rire, donc bah, tant mieux d'un côté. All's well that ends. Not as bad as it could have. Il y a tellement de cadavres que ça met du temps à charger. C'est dire. Dépité par le nombre de corps. Ça arrive, hein. Oh, toutes les bourses à ramasser. Hein? Ils se font pas chier à remettre les corps, ils laissent juste les bourses. No traps, please. Ok. Écorce de bois. On ramasse. Ah mais ça c'est les armures des gens. Oh, ça va être chiant de tout regarder. Le loot. Xiaomé, intéressant comme ce... Oh, une lettre. Les ordres de Jaira. Une potion de guérison, on prend. De l'or, on prend. Non, cette hache est moins bien, mais bon, ça pourra peut-être se vendre. Un parchemin, une cape, why not? C'est terrible. Je me suis dit pareil quand j'ai découvert ta chaîne avec ton pseudo. Alors, explique-moi l'origine de ton pseudo du coup. On va voir si on a eu une réflexion similaire à la création. Ça vient de FMA, un petit panda dans l'histoire qui s'appelle Xiaomei. Ah ok. Oh, mais ça s'écrit pas du tout pareil du coup. Ah mais du coup même les buffs ont disparu. Oh. Qui se prononce Xiaomei du coup. Ok. Ah oui du coup moi rien à voir. Attends, non, mais ça c'était pour partir. Allons faire un tour dans l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Ça. What a vicious looking creature. I swear its eyes are following me. Ça se trouve, il est vivant. Une potion de guérison importante. Outil désamorçage de piège. Potion d'invisibilité.
Je prends tout ça. Salut Carouette. Oh non. Les enfants sont vivants! Comment ça se fait? Ah non. Il est parti mourir là-bas. Je crois qu'il avait oublié qu'il était mort peut-être. Je récupère ton lutte, Alfira. Non, elle n'aura jamais récupéré sa chanson. Pourquoi j'ai moins 15 attitudes? Les gens sont morts. Qui peut me regarder voler? Ça n'a pas de sens. C'est le chat. I need a quick word. Comment ça se fait que tu es vivant et tout seul? I tried telling Mr. Roland that he'd had enough too. He didn't like it then either. Je suis ravie que tu sois en vie, mais... Comment ça se fait? Incroyable! Il avait une bénédiction? Il devait être aux toilettes. Bah tant mieux! Il va réussir à survivre aussi tout seul, on peut pas l'amener dans notre camp. Journal de l'aubergiste. La Vierge Lunaire nous garde, j'ai trop tardé à aller voir Morfred. À mon arrivée, sa demeure avait été attaquée et tous ses occupants emmenés pour être interrogés. Ok, toujours des histoires avec Éthéric et tout. Un petit pichet de bière. J'espère qu'il y a de l'alcool dedans. Hein? Leah. Cal. If you see this, I'm dead. It's nothing to get upset about. It's simply the way life is. Head to Baldur's Gate immediately. You'll both do excellently there, I have no doubt. And thank you for... Well... You know. J'avoue qu'il me tapait un peu sur système, le... You need help to survive those shadows. Only a fool would take them alone. Mais du coup, personne verra son message si je peux même pas le ramasser. La lettre d'apprenti. Aïe 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 aïe, terrible. Et puis là aussi il y a des morts. Plein. Et puis il y a... Oui. Aïe 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 aïe, coucou Canou. Ouais. Ah c'est... Il y a quelque chose dans la bourse? Rien. Une bourse vide. Alors lui, on voit encore son corps. Bon. Ben... Comment ça on peut le ramasser? Maybe I need more pockets. Attendez.
Je vous jure que j'ai pas fait ça avec Alcine. Hein. Je suis en cimetière, c'est fou. Ça avait l'air d'être un mec important. Pour Alcine. Je suis jamais son pote. C'est exactement ça. Vous avez lu dans mes pensées. Je vais voir si je peux ramasser Alphira aussi. Bon, je suis encombrée, je marche pas vite, mais... C'est fou d'avoir le mec dans son inventaire. Est encore bien conservé. Je peux plus le déplacer. Et alors, sauf si je le re-ramasse. Et que je le redépose sur Alcine même. Oh, vous êtes mignon là. Oh, c'est Kiki. Ok, mais flétrice. On sait jamais parce que celui-là je l'ai ramené. Flétrice il dit moi je suis là pour ressusciter les gens, mais que nenni en fait. Il est pas là. Il est où flétrice? Il est là. Flétrice, j'ai ramené un cadavre. T'as dit que tu ressuscitais les gens. T'es sûr que tu peux le faire? Tu nous en parles, mais on voit rien. Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on my quest, seeking the comforts of the flesh. Mais non, mais personne ne partage ma couche, hein, Flétrice, hein. Je vous demande pardon. C'est si visible que moi ce qu'il y a entre Astarion et moi. Vous dire, nous avons juste partagé quelques instants dans la trame, vous savez, il n'a pas été question de plaisir de la chair comme vous dites, aka je parle de Gale. Vous voulez parler d'ombre cœur, croyez-moi, j'aimerais beaucoup pratiquer les plaisirs de la chair avec elle. J'ai envie de répondre ça. Recall that in time, all becomes dust. Donne-moi tes conseils pour pécho, la flétrice. Mais c'était pas ça le sujet à la base. Fate. Spins along as it should. Je suis assez distraire. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? Oui, une résurrection. T'es tout le temps en train de dire ça, mais jamais on te voit à l'œuvre. Toujours rien. Changer de classe, non. Des employés, non. Bon, les corps resteront les corps. Mais pour le beau geste. Je vais voir si je peux ramasser Alphira. Faut pécho flétrice pour être sûr de la pérennité de la chose. Ah bah ça c'est réel. En tout cas, Alcine et Artkulag là qui sont potes apparemment, ils sont réunis dans la mort et je trouve que c'est un beau geste de ma part. Hop là. Les garde. Je
je suis une grosse serial killeuse en fait. Je... Alors, pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai ramassé Alcine de base. Il a apparu comme ça un jour dans mon camp. Mais du coup, bah, maintenant je fais la collection. Enfin, l'autre à la base c'était juste une compagnie pour Alcine. Alfira, c'est parce que je l'aimais bien. Voilà. Puisse-t-elle finir sa chanson dans l'au-delà? Trop cool! J'ai un cimetière, mais trop cool! Comme on a besoin, on peut venir ici leur rendre hommage, tu vois, c'est plutôt sympa, je trouve. Hop. Alors, pied dans la gueule d'Alcine, je sais pas trop. Mais pff. Pourquoi pas finalement? Jesus, ça fait une croix, c'est... Ah, il a un beau corps Alcine, mais bon, bref. La nécrophilie, très peu pour moi. Mais j'espère que vous vous amuserez bien en tout cas. Voilà, maintenant Alcine, t'as un petit peu de compagnie. T'as ton meilleur pote, t'as une fille qui pourra te faire des chansons. Non, c'est cool, je trouve. Voilà. Mais oui, mais si j'avais su, j'aurais amené le corps de Bibourson. Ça aurait été incroyable. Bibourson vivant, ça aurait été mieux, bien sûr. Qu'est-ce que je me faisais comme réflexion? Bah du coup, où est-ce qu'on va? Quel est le... Sauver le grand-duc. Voilà, l'esprit de... l'amulette. J'ai... Sauver les Tiefelins. Mais ils sont tous à Haute-Lune. Bah direction Haute-Lune du coup. Tout... Oh, on peut rejoindre la crèche par là. Bah... Allons-y, on va sortir de là et puis on va essayer de pas se faire graille par les ombres. Hein. On a la bénédiction normalement, donc... it's okay. Ah. On va voir. Nous en aurons le cœur net en passant. Est-ce que je suis en train de speedrun ce chapitre? Ah, c'est sûr que... Bon. Voilà quoi. Pourquoi tout le monde est mort? Ben... C'est difficile à expliquer, hein. Moi, j'appelle ça des erreurs de jugement. Si je monte là, c'est de là où on vient. Non? C'est nouveau? Non, c'est... Moi, on m'a dit de rester plus dans la lumière. On va essayer de faire ça, du coup. Long story. Je sais pas où on va, mais on y va. Un ménestrel mort. Ah! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce... Ah mais
donner la vie aussi maintenant. Mais après, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai sauvegardé? J'ai pas sauvegardé après avoir amené le cadavre. Ah mais je suis enracinée. Est-ce que j'ai un truc à portée de bouche? Bah non, mais c'est un mort-vivant, on peut pas manger ça. Arrête de t'impatienter. Y a pas la lumière. J'aimerais bien lui donner un item qui lui donne un peu de pouvoir, parce que les dagues c'est une chose, mais il a rien sur lui. Et moi qui avais dit ouais, on prendra le temps la prochaine fois qu'on va au camp, de les stuff et tout. J'avoue, Astérion, il a même pas un chapeau, il a même pas. Il a une armure, mais même pas une paire de gants, tu vois, histoire de dire. C'est vraiment le minimum syndical, hein. C'est pour ça qu'il rock sur rien. Bon, Flèche. Ça, j'ai toujours pas compris ce que ça faisait, hein, qu'on se le dise. Un de moins. Tumeur putréfiée, mais génial. Quel plaisir. Oh, il prend tellement cher. Est en PLS. On va mourir. Ah! Bonne ambiance ici, dis donc. Ah ouais, même si chargeur, c'est bon. Ok, d'accord. Ok, chargé à partie. C'était quand ma dernière sauvegarde? Mais le campement de camp? Le campement avant que je ramasse les cadavres? Parce que sinon, comment dire? Un peu la flemme de retourner tous les chercher. Il faut qu'on habille mieux Astérion. Oui, non, mais c'est sûr, hein, c'est après la nuit
avec au réveil où tout le monde nous a parlé. Les deux fois où je suis retournée au campement après, ça n'a pas sauvegardé, je pense. Est-ce qu'on retourne chercher les cadavres ? Est-ce que c'est important pour vous ? Non. Habillons Astarion, mieux que ça, quoi. A quick rummage. Y'a que toi qui... Ah bon, ça vous a pas amusé? Je comprends pas. Totalement inutile, donc parfaitement indispensable. Bah voilà, c'était ça. On peut pas... Là, on dit oui. Alors du coup, mais c'est super, mais en fait, tu avais des sorts, ils étaient juste cachés là. Ah. On va te prendre des gants. Ça serait plutôt des gants pour Shadow Heart, ça. Et ben on va mettre ça à Shadower. Ça c'est des clairement des gants de barbare. On peut donner ça à Carla. Un œil, je sais pas ce que tu vas en faire. C'est un collier ça ? Alors j'ai déjà un collier, le collier est vraiment vraiment cool. Élu de Séléné. Sort mineur d'évocation rêve de Séléné. Ça fait quoi ça? On verra. Bouclier, pas besoin. Armure, pas besoin. Un chapeau. Armure... On n'a pas de chapeau qui font des effets. Armure légère. Linceul d'ombre. Percevez les ombres. C'est bien ça. Ça va... Par contre, si je te mets ça, ça cache ta tête, non? Astarion, tu fais très mystérieux vu comme ça. Masqué parce que bon voilà celui-là pour Shadow Heart je pense au final ça rajoute pas trop de trucs que ça. Il a un chapeau en plus c'est ça de prix. Making me sweat. Fais-moi transpirer elle m'a dit. L'arme de lune. Ne provoque plus d'attaque d'opportunité. Et ça c'est quoi la voix du cerf? Bah ça c'est peut-être mieux quand même. Hop. Avec des gants, 15 points de vie pour la rage. Un avantage contre les créatures artificielles en métal et les ennemis métalliques. C'est pas trop le cas hein, dans cette zone, hein, je vais pas mentir. Alors ici on a une super épée, 7 à 12.
25 à 21, ce serait pas plus intéressant, ça? Bon, une épée qui chante... Ou 6 à 16, épée à deux mains de Yorgorvald. Elle chante pas. Mais par contre, t'as pas de bouclier. Donc vous... Mais la hache est à deux mains aussi. Ouais. Sept à 20, 5 à 21, 6 à 16. Tout est mieux que la faraluve. Ce n'est pas une jitianki, donc c'est plutôt à la zèle qu'il faut la donner. Hop. Prends une hache, ça c'est bien barbare, c'est bien comme on aime. Voilà, et Shadower. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir porter un collier rêve de ses lunés, quoi? Et puis qu'est-ce que c'est, rêve de ses lunés, déjà? Un allié que vous touchez récupère des points de vie, mais a une chance de s'endormir. Oh, quelle merde. Contre-productif, cette amulette. Des gants merveilleux. Prodige de troubadour. C'est pour les barres de ça. Gants d'héroïsme. Ouais, c'était pour les canalisations de serment. Là, j'espérais que ça marche avec le soin. Après, une autre créature. Est-ce que Zag est considéré comme une autre créature? C'est technique. Les elfes sont immunisés au sommeil? Ah bon? Partir du principe que c'est une créature. Bah, c'est déjà un poil mieux que rien. Somme toute, ce que je viens de faire là. Ok. Never a dull moment. Ouais. C'est pour ça que j'étais fort dans mon coffre, parce que je sais que j'avais plein de trucs dans mon coffre. Ça serait un peu mieux. Par contre, je vous avoue, j'ai pas envie de repasser par le chemin qu'on vient de prendre. Mais c'est chiant parce que il faudrait tout relooter là. Il y avait des choses intéressantes quand même. Outre les cadavres. Attendez, mais j'avais pas ouvert ça. Les vêtements du taureau, en vrai. Ah mais oui, mais c'est la marchande. C'est moche. Oh, c'est moche de ouf. Oh, c'est si moche. On peut pas masquer. Sinon, je prends ta tenue à toi. Je peux masquer? Merde, tu es arrivé tout nu. Come on, let's go. Le style overlap. I'm
Non, mais... Je crois pas qu'on puisse masquer, hein. On peut masquer le casque, mais... Ou alors on... Mais en petite tenue de ville. Mais ça fait pas barbare, quoi. Ou alors... Je peux pas mettre ça en pyjama, c'est dommage. Ouais, mais... Ça fait pas barbare, quoi, d'être en pige. Gonzague, tu mérites... Non, c'est ridicule comme tenue, je vous avoue, hein.